sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis la cellule de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré, tous les vendredis à 22h. Et ce soir, je suis avec un artiste, Joe, du groupe TNT. Alors, je suis ravie d'être avec lui ce soir sur l'antenne de l'émission Gourmet Sucré. Bonsoir, monsieur TNT. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Ça fait très plaisir aussi d'être sur le plateau. Merci beaucoup, merci, vraiment merci. Je sens que vraiment le groupe, ça va. Oui, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu. Ah, vraiment, ça va. Pour vous attraper, c'est pas facile. Hein? Ouais. Parce que vous bougez beaucoup. C'est vrai. Quand vous êtes venu à l'émission Gourmet Sucré, j'espère que j'ai un gourmet. Vous avez un gourmet qui vous est fatigué un peu. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tous, vécu au moins une situation qui nous a brisé le cœur et tout ça. Moi, je me souviens, si la seule on veut que j'explique, je me souviens d'un des gourmets qui m'a marqué, qui m'a déchiré le cœur, parce que j'aimais, on était beaucoup plus jeunes et ouais. J'aimais une jeune fille, on essayait de cheminer ensemble et tout ça, c'était à l'époque du lycée. Et je me souviens que tout se passait tranquillement, tout se passait bien. Votre gourmet vous est pris à quel âge? Déjà en lycée, déjà vous êtes encore très jeune, puis le gourmet va venir comme ça. Mon gars, ça fait mal là, ça fait mal, hein? Il n'y a pas âge, mais ça fait non, mal. Si, il y a des âges quand même. Il y a des gourmets dès le départ, ça ne peut pas te faire mal comme ça. Oui, ça faisait mal, maman. Ça, là, parce tes que amis, quand ils étaient jeunes, les groupes, ils ne caressaient pas, hein, ils ne faisaient pas de choix. J'étais en seconde, je me souviens très bien, ça m'a fait très très mal. Pourquoi? Parce que je l'aimais beaucoup et tellement que je l'aimais, je voulais être correct. Donc, il n'y avait pas encore de trucs entre nous, il n'y avait pas de péché, tout était vraiment chic. Elle était la première fille dans ta vie que tu avais connue? Oui, c'était la deuxième, parce que la première, elle avait voyagé. Mais bon, quand on est trop jeune, là, on considère pas ça comme une relation. Elle a fait combien de temps déjà? Puis, gourmet de l'autre, là, t'as pris? Elle, on a fait peut-être un an ensemble. Et puis, ben, on a dit que c'était amusement des enfants. Hein. Et puis après... Dans Cuillerie, il n'y a pas pour enfants dedans. Mais il n'y a pas Cuillerie en ce moment-là. C'est comme cadavre, il n'y a pas son bébé, tout le monde est cadavre. En ce moment, il n'y a pas Cuillerie. Donc, nous, moi, j'ai considéré ça comme amusement des enfants parce qu'il n'y avait rien dedans. On était très petits, on marchait ensemble et tout ça. C'est et ça. Après, mon cœur s'est attaché à elle, mais après, les parents l'ont fait voyager. Donc, pour elle, elle est passée. Maintenant, où ils voulaient me concentrer pour dire connaître maintenant ce qu'on appelle l'amour, là. Et aimer vraiment une femme à l'adolescence maintenant. J'étais en seconde, je devais avoir autour de 16 ans, 17 ans, je pense, par là. Et j'ai connu une jeune fille, Bété, on était ensemble, on marchait et tout ça. Et puis, un jour, un samedi, un week-end, je me souviens très bien, j'étais parti, je ne sais pas si je peux dire le nom de la place, il y a une place non, ici à Cocody, voilà, pour manger et tout ça. Et puis, avec des membres de ma famille, maintenant on s'est séparés, au retour, moi je revenais. Au niveau de Cocody, je me souviens très bien, au niveau du feu d'une station à Cocody, quelque chose me dit, il faut regarder à gauche. Il t'a dit, toi-même tu voulais regarder là-bas. Oui, je suis là comme ça, il a dit, mais attends, quelque chose me dit, je regarde à gauche. Je regarde à gauche, je vois une voiture garée. Je vois une fille qui descend côté passager. Elle fait le tour de la voiture. Elle vient sur le côté maintenant du chauffeur. Le chauffeur ouvre la portière. Et elle embrasse le monsieur. Mais avant tout ce temps-là, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu d'abord? Non, on se voyait. On se voyait régulièrement. Il n'y avait même pas de problème. Rien ne présageait quelque chose. Il n'y avait pas de palabre. Rien ne pouvait me donner un signal même de quelque chose. Pas de palabre. J'étais le gars qui se jouait les gars romantiques. Tu vois, dans le temps, on nous appelait les zozos. C'est-à-dire que tellement tu veux être bien, la fille, même quand on te vend, dit allez, le zozo, là. Parce que tu veux que tout soit clean, que la fille même n'ait rien à redire. Mais quand tu fais bien, comment elle va aller embrasser quelqu'un dans la voiture? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Tu vas comprendre? Moi-même, quand j'étais garé, je suis descendu même du taxi, je me suis assis sur le taxi, et puis mes yeux ont commencé à devenir rouges. Moi-même qui n'aime pas pleurer, one larme est sortie pour moi. Ah, que tu mens. Il n'y a pas un mot qui ne veut pas pleurer les gens. Non, mais même moi, qui nous tient dans la vie, là, mais c'est moi, bien je ne pleurais pas comme ça, hein. Parce que nous, dans notre groupe, on s'attachait beaucoup. Donc, pleurer devant les autres, là, c'est trop difficile. Peut-être qu'il y a me cacher. Mais genre, en cendra comme ça, je suis dehors dans la ville, devant les gens, sur taxi comme ça, bonjour. Et puis, il pleure à cause des femmes. Ah, c'est un nom. Si tu es devenu, tu sais que l'âme n'est plus loin. Oui, c'est ça. J'ai dit, moi, mais ça m'a surpris. Parce que c'était la première fois
goutte de lame est tombée comme ça. Et le chauffeur m'a demandé, mais monsieur, on fait quoi? Parce que le feu maintenant devient vert. Moi, je suis descendu, je suis arrêté sur voiture, et c'est en train de regarder dans une direction. La fille, elle embrasse le monsieur. Le monsieur, c'est un tonton. C'est mon tonton. Il peut être mon papa, bien même. Et après, elle a pris la direction. Moi, je voulais maintenant vérifier si elle allait rentrer dans l'immeuble que moi, je connais. Je vois, je ne veux pas accepter que c'est ça. Je vois, elle monte, elle rentre dans l'immeuble. J'ai dit au chauffeur, car la fille est partie. Mais je suis assis sur le taxi. Et puis, je suis là. Ça compte. Le monsieur dit, ah monsieur, je pense qu'on va partir. Parce que là, moi, si tu es resté là, c'est pas bon. Le montant qui est en train de venir là. Il dit, bon, ok, allons. Et puis, on est rentré. J'ai appelé mes amis, commencé à leur expliquer tout ça. Bon, ils ont essayé de dédramatiser, se moquer de moi, comme on s'attache souvent, pour qu'après ça passe. Et puis, c'est comme ça que ça m'a laissé, franchement, un très mauvais souvenir. Mais moi, comme il ne fait pas palabre pour me séparer, je me suis éloigné doucement. C'est comme ça que la relation s'est arrêtée. Bon, après, quand tu as surpris la fille, quand elle est venue, qu'est-ce qui a été ta réaction au moins? Tu as posé la question. Après, elle et moi, on ne s'est plus vu. Moi, je n'ai plus voulu qu'on se voit même. Donc, il n'y a plus de rendez-vous après ça entre moi et elle. Moi, je trouvais les prétextes. Elle ne m'a jamais appelé aussi après. Si, elle m'appelait. Elle m'appelait, mais elle disait quoi? Non, elle est normale. Elle, c'est pas qu'elle l'ait vue. Je ne lui ai pas envoyé message pour lui dire que non, je t'ai vue. C'est quoi ça? Donne-moi des explications. Rien. Je suis resté normal, mais moi, je ne l'appelais plus. Elle sentait maintenant que c'est elle qui forçait. Quand elle veut venir me voir, je trouve excuse. Non, je suis occupé. Non, aïe, allez, chanter mes amis là. Je vais aller ceci. C'est comme ça, comme ça. Donc, elle a commencé à se dire, bon, attends, il ne veut plus de moi. Ou bien, il fait quoi? Ou bien, il fait malin. Il pense qu'il est qui? Bien, ça, voilà, c'est dans ça, ça a commencé à partir. Moi, tout doucement, j'ai glissé, suis sorti de la relation. Mais je n'ai pas voulu faire de palabre, on ne sait jamais. Je me suis dit que devant là-bas, ça peut me rattraper. Donc, je n'ai pas voulu faire palabre, on quitte là-bas, mauvaise fille. Non, j'ai évité ça. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis retiré, je suis resté dans mon coin. Ça m'a brûlé comme ça doit me brûler. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Et puis après, Dieu merci, c'est sorti de ma tête. Mais sinon, ça m'a marqué, ça m'a fatigué. Vraiment, c'est... Moi, je pense que de ton côté, bon... Même si tu voulais te débarrasser d'elle, la première des choses au moins, tu devais quand même lui parler. Est-ce que entre toi et moi, tu m'aimes réellement? Parce que là, toi, tu l'as vu. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Bien, c'est pas elle. Bon, si tu n'es pas allé vers elle, elle ne peut pas savoir. Tu viens de dire que carrément, que tu l'as vu, mais on l'embrassait. Bon, comme à l'époque, vos portables n'étaient pas encore là, sinon tu pouvais bien filmer pour prouver les preuves. Mais brusquement, aujourd'hui, elle ne peut pas savoir que tu l'as vu. Tu vois, elle est là, bon, elle s'est dit, peut-être toi aussi tu as vu une autre personne, c'est pour ça que tu l'as laissée. Donc, parce que la jalousie, souvent, c'est ce que j'ai dit souvent, ça gâte beaucoup de choses. Ah, vraiment, comme je l'ai vu là, je suis devenue comme ça. Mais elle, c'est que tu ne l'as pas vu. Au moins, tu pouvais faire un effort, le temps qu'elle embrassait ton tonton, ton papa que tu dis, tu partais vers elle, bonsoir, monsieur, dame. Et puis là, c'était preuve, il n'y avait pas de bandage. Alors là, tu vas demander à la fille, elle va dire, c'est pas moi. Tu vas dire quoi? Toi, tu pleurais, c'est pas tes pleurs là qui l'a couillé. C'est toi-même qui l'as couillé. Tu devais aller là-bas lui demander ça. Aujourd'hui, elle aussi, quand elle va venir se plaindre, elle va dire que moi, après, il a vu une autre fille. C'est pour ça, maintenant, il me néglige. Alors que de ton côté, c'est toi qui avais raison. Donc, souvent, les présentations, souvent, c'est très important. Est-ce que tu vois? Tu peux même surprendre une personne en train de lui faire l'amour. Et puis, tu ne t'occupes même pas. Tu dis, bon, excusez-moi, tu sors. Ça va beaucoup les marquer, pas de palabres. En amour, mais ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un règlement de compte. Mais il y a une manière, quand tu dis rien même là. Ça choque, est-ce que tu vois? Ouais. Donc si tu te mets là, non, comme il a embrassé, aujourd'hui de ton côté, toi tu en parles. Je sais que tu l'as vu encore. Parce que tu as joué le jeu, mais tu allais te tuer carrément. Parce que le cœur là, quand ça saigne, ça va te donner une tension, tu vas avoir des maladies, même que toi-même tu ne comprends pas. L'amour que Dieu a mis dans notre corps, c'est quelque chose qui est très fort. Très fort. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont là. Qui sont, moi, hier, mais il y a eu plein de monde chez moi. La seule, quand tu passes sur ton antenne aussi, il faut parler des de, femmes qui vont en vacances de Pakinou, là. Nos femmes, là, quand elles vont là-bas, les retrouvailles, là. C'est ça, je vais profiter, j'ai profité ce soir de dire à mes parents, mes soeurs, mes enfants, le mariage, c'est très beau. Quand vous voulez aller au Pakinou, là, attendez que le monsieur même arrive à la maison. Ah, mon mari, tu m'excuses. S'il dit non, là, tu restes. Va au Pakinou, là, c'est pas Pakinou. Ça, c'est Kouyemanou. Ce n'est plus Pakinou, c'est Kouyemanou. Vous partez dans la fête de Pâques là. Vos retrouvailles là. Cette année là, j'ai donné l'ordre. Pakinou là, c'est la fête de Dieu que nous tous, on doit faire un retrouvail. Mais partez avec vos maris. Vous partez en Pakinou, vous partez en Kouyemanou. Cette année, celle qui s'en va sans dire au revoir là.
Vous allez trouver vos sachets allons à Gagnon, là, les sacs là. Vous allez trouver ça au dehors. Vous vivez chez les gens habillés, si on s'occupe de vous, arrivez vos parents qui ont vos copains qui ont les dents en bois là. On va commencer ils vont commencer à vous embrasser. Dans qu'on elle ne brosse pas, c'est pas Bangui qui brosse les dents là. Vous allez oublier vos maris ici. Respectez les hommes quand vous vivez avec eux. Il y a le monsieur qui te tendit, non, la vie est déjà partie. À cause de lui, les cadres d'Abidjan, cette année encore, ils vont gagner. Tout le monde va voyager. Mais respectez l'homme au moins que vous voyagez. Parce que nous, là, hier, il y a des gens qui sont venus me voir. Que maman, là, excuse-nous, mais vraiment, nos femmes, là, ils nous fatiguent. Quand elles s'en vont comme ça, pas de respect. Quand elles savent qu'elles doivent retrouver son gars, là, c'est pas. Parce que nous tous, on va, en fait, chez moi, même en pays, ouais, quand j'arrive au Cavalier comme ça, à tout le pleu, on est là, chez nous, c'est janvier, décembre. On va fêter avec les parents. Vraiment, on se retrouve. Mais on prend pas, on fait pas le couillement à tous les plans en détail comme ça. Les couillements là, c'est vous les femmes de Pâques, nous aimons trop ça. Allez là, ils vont tout le monde même mèche. Toutes les femmes qui sont périnées, elles vont devenir jeunes parce qu'elles vont aller retrouver son gars. Tu vas au village, c'est pour saluer ta maman. D'abord même, tu dois aller dans ta belle famille. C'est là-bas que tu dois faire Pâques, parce que tu vis avec les filles. Ouais, avec les fils, tu dois aller chez eux là-bas. Mais tu laisses souvent, mais les parents même ne te voient pas. Tu ne viens pas aussi chez les beaux-parents, ni chez tes propres parents. Madame fait son Pâques, c'est couillement nous. Cette année-là, c'est couillement nous, hein. Respectez les hommes. Les hommes s'occupent de vous. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à faire quoi pour vous? Il y a des hommes qui ont payé une maison pour donner à femme. Alors que lui-même, sa maman au village, elle n'en a pas. Tu vas la voir comme il y a des hommes, même les femmes, souvent, on me dit, vous avez une seule fois. 2h du matin, au Pakinou. 3h du matin, au Wakinou. Va au Wakinou, Pakinou, là. Si vous ne respectez pas les hommes, vous ne les respectez pas. Cette année, celle qui n'a pas dû au revoir à son mari pour partir, tu restes avec ton sac. Vous venez comme ça, le monsieur, il s'est dit qu'il est à la maison, on va aller. Il faut causer d'abord à l'homme. S'il est d'accord, tu t'en vas. S'il n'est pas d'accord, tu ne bouges pas. Moi, la seule heure de tout le pleu, nous tous, on a vécu dans le foyer. Si tu es jeune fille, tu n'es pas mariée, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si tu vis avec un homme, avoir le minimum de respect de ce monsieur, même s'il n'est rien, c'est un ruineux même. Mais quand même, tu vis sur son toit. Mais tu te lèves comme ça, quand il arrive, on dit non, maman est déjà partie. Le temps que souvent, il arrive à la gare, c'est demande lui-même le cas même de mariage avec toi. Est-ce que c'est joli à voir? Et puis après, quand ils vont te faner là-bas, tu vas venir ici pour dire c'est comme ça. Cette année-là, je vous suis de près. Celle qui n'a pas dû revoir pour aller fêter là, c'est la fête de Dieu. Nous tous, on doit. C'est que sans Dieu, on n'est rien. Donc quand sa fête arrive, tout le monde doit fêter ça. Dans la prière de Dieu, il n'y a pas de. Je suis président, je suis. Tout le monde doit prier, tout le monde doit louer ça. Mais vos Pâques-nous, c'est couillement-nous. Cette année-là, c'est couillement-nous. Les Pâques-nous, Pâques-nous. Hein. Juste quand ils ont les morceaux, quand tu vois les femmes baler, vont baler là-bas, là. 4h du matin au Pâques-nous, 5h du matin au Pâques-nous, on soulève vos pieds là. Arrêtez ça. On va finir de vous salir là-bas et puis on va venir chez le monsieur pour dire j'ai mot de rien, il va gaper son argent. Tu veux plus de ton homme avant qu'il ne te quitte, il faut lui dire la vérité. Ah chérie, j'espère qu'on arrête. Ou bien quand tu vas au village, moi je ne peux pas dire à un homme qu'on ne veut pas. Il faut lui dire la vérité, là au moins il n'a pas la liste sur toi. Maintenant tu joues le jeu. Hein? La femme, même nous, les femmes, on est très dangereuses. Ça, il faut que je dise ça à haute voix et puis je signe. Parce que la femme, elle peut vivre avec un homme. Elle va avoir gamin dans ton groupe, tu ne vas jamais savoir qu'il y a quelqu'un. Tu ne seras jamais au courant qu'elle vit avec quelqu'un. Alors que l'homme, quand il a une copine, tu suis toi, la femme, bien, tu sais que ton mari a quelqu'un dehors. Parce que par ton comportement, il est là, il fait comme il ne s'occupe pas de toi. Mais toi, comment ton propre mari peut être sur toi, puis tu as dit, il faut faire, tu vas descendre. C'est quelle manière de parler à quelqu'un ça? C'est vous tous les jours, allez à les femmes qui font cheveux à Sikoji là. Tu vas voir, elles vont mettre les faux signes, on dirait vampire. Craignons même qu'il ne la descend pas pour aller faire Pâques-nous. Maintenant, quand c'est fini là-bas, tu vas rentrer dans la maison du monsieur là. Si tu n'as pas dit le revoir, vous n'êtes pas entendu aujourd'hui là. En tout cas, ça ne va pas aller. Donc, l'artiste, c'est pour te dire que prochainement, quand tu surprends une femme que tu aimais, parce que souvent ça pierre, on peut faire la connaissance de 20 femmes. Ouais. Et puis c'est une seulement qui va te marquer dedans. Et j'ai toujours dit, j'ai dit même les prostituées là, elles ont des clients par jour, mais il y a un fidèle. C'est elle qui est les gens. Il doit avoir toujours dans la vie, c'est pas on dit on va à l'église. Va à l'église pour expliquer ton passage, pour ce que tu as vécu. Dieu, nous on s'est dit qu'on ne sait pas, mais lui il sait par heure, par jour, par minute comment on vit. On n'est pas beaucoup sur la terre. Chez Dieu, on a des grains de personnes seulement. On n'est pas beaucoup. S'il y a 50 qui naissent aujourd'hui, il y a 100 qui sont. Et puis, ils les remplacent toujours. Tout se paye sur la terre. Donc, ils n'ont qu'à se dire quelque chose. Respectons. Quand on dit non, droit des femmes. Votre droit des femmes, moi, je ne suis pas dedans. Quel droit des femmes? Pour ça, souvent, la seule ne fait pas partie.
Le droit des femmes, c'est de surveiller sa maison, donner des ordres, dire à son mari, chérie, comment on peut faire les enfants devenir comme... causer à son mari. Droit des femmes, ce n'est pas un droit de fouiller dans le portail de son mari. C'est pas un droit. Le monsieur va venir avec son salaire, il va monter à sa femme pour faire quoi? S'il est censé la payer ta maison, tes enfants vont à l'école. Tu as des petits problèmes, il va te donner, lui va te demander son salaire. C'est toi qui l'as mis à l'école. Hein? Ils sont dans votre maison. Moi, je connais des hommes aujourd'hui qui pilent même foutu. Quand tu arrives, il dit fermez la porte, je suis en train de piler foutu, madame arrive. Mais ça, ce n'est plus l'amour, ça, c'est un règlement de compte. Ça fait même que quand il te salue, voilà, tu dis, on dirait qu'il a tout le fait dans mon village maternel qu'on appelle Joseph Mao là-bas. Hein? Il y a des femmes souvent, elles ne peuvent même pas respecter l'homme. Quand elles parlent à leur mari, on dirait qu'elles parlent à leurs enfants. Il faut savoir parler à ton mari. Devant des amis, souvent, elle va parler mal à son mari. Quand il lui parle, elle va commencer à répondre mal. C'est pas bien. La femme, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'amour. Ton mari, mes pieds, est agressif. Il peut te parler mal. Chérie, j'ai compris. Quand tu es tranquille, même déjà là, lui-même, il commence à réfléchir. Ah, je parle à ma femme comme ça, puis elle dit rien. Tu vas voir que l'amour va devenir plus. Mais il y a des femmes là, devant ses amis. Toi-même, c'est quoi ça? Elle va prendre pour toi, elle va casser. Souvent, elle va casser tes raisons. Tu penses que tu entends l'arranger, mais tu vas-tu traîner comme ça? Les hommes de maintenant, ils sont hier. C'est pas la beauté. Quand on dit souvent, ils se font les mougoupans là. Ils ont raison de faire les mougoupans. Parce que vous ne vous considérez pas, ils ont raison de faire les mougoupans. Et puis les messes là, au moins chaque deux jours, ils l'avaient déjà. Mais vous êtes au lit avec quelqu'un et puis il fait semblant, il va vers matelas parce que tête là, ça sent. Faites le shampoing dedans. Vous mettez mèche jusqu'à quand ça traîne sur vos fesses. Vous n'êtes pas mamie Wata. Ou bien si vous êtes les sirènes, allez-y vers la mer là-bas. On est quand c'est mes corps encore, naturellement. Quand il y a le respect et puis poli, même si tu trouves ton homme sur la route assis en train de causer à une femme, tu dis rien, tu viens à la maison. Chérie, on dit quoi, tu as passé le temps un peu dehors. L'accueil d'un homme, ça donne tout l'envie de rentrer. Vous pensez, on dit les hommes, il y en a qui veillent d'en bas. Il a le gourmet. Dans sa propre maison, il n'est pas à l'aise. Hein? Il sort même à la porte pour venir au frigo même là. Vous ne pouvez même pas aller. Il arrive encore, c'est le mec qui va prendre sa nourriture au frigo pour chauffer. Donc pourquoi tu es chez lui? Vous dites, non, les femmes ont un droit. Ce droit-là, moi, je suis garçon de temps. Je ne suis pas dedans. Votre droit-là, je ne suis pas dans ce droit-là. C'est un droit qui n'est pas respectueux. Au départ, mes droits n'est pas là. Les femmes, là, elles sont impolies. Maintenant, quand le droit va venir, là, c'est grave. Quand le droit va, mon mari va prendre mon salaire, voilà comment je suis payé. Le salaire d'un homme, c'est sacré. Femme habillée ici, elle va payer une ampoule. Tout commence ici, cocody, très civil, à jamais. Dans deux jours, c'est moi qui fais cela là-bas maintenant. Oh, il m'appelle encore. D'accord, gaz, j'ai chargé, je vais charger encore. Tes parents qui n'avaient pas de cheveux, les dents en bois, là, ils ont tout mis. Maintenant, aujourd'hui, tu as évolué un peu, tu veux le commander. Dieu, si. Jésus a pris le pouvoir, c'est parce qu'il a respecté sa maman. Et sa maman lui a donné le pouvoir. Donc le pouvoir appartient toujours à un homme. L'homme est toujours roi. Quel que soit le titre que tu es, ministre ou président, on s'en fout. Il y a des présidents même dans ce monde-là qui chauffent café, qui font la nourriture, qui accueillent. Mais pour vous, pour les bambous comme ça, avec vos dents en bois là, c'est vous qui vous imposez. Vous êtes à vous fouiller tout dans ces portables. Mes enfants, vos portables là, souvent mettez porno, vous êtes en train de faire l'amour aux femmes. Et puis déployez sur vos tables. Champion Colombe, il est bon. Si tu ne peux pas, il faut partir. Je t'écoute, mon petit. En tout cas, vraiment, la sœur Laure, moi aussi, je n'ai d'appeler la sœur Laure. Hein, la maman. C'est un peu gêné de t'appeler la sœur Laure. Ils sont habitués à t'appeler maman. Mais ce que je veux que les gens retiennent, même, c'est que moi, mon cas, c'est vrai que mon cas est un peu délicat. Parce que moi, je n'ai pas connu le couillement à cette époque. Moi, je me jouais un peu. C'était mon premier love, quoi. Tu vois, quand tu es prouvé que c'est le premier truc, tu veux te jouer les gars sérieux, tu veux être bien dans le truc. Donc, quand ça s'est passé comme ça, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Mais ce que la sœur Laure a dit, c'est ce qui est le vrai point. J'attrape et te montre qui est attrapé. D'abord, premier point. Et puis ensuite, si je veux me reculer, ou bien si je ne veux plus de la relation, je ressors de la relation. Maintenant, la deuxième étape, c'est comment j'ai vécu. Et la sœur Laure, il y a ça aussi. Comment maintenant j'ai vécu le gourmet par la suite. Pour nous, ce qui m'a un peu aidé, c'est qu'au moins j'ai un couple un peu taquin. Mon gars Mehdi, les autres gars du temps et tout ça. Là, on se moque beaucoup. Donc, ils ont commencé à m'attacher un peu et autres. Au début, bon, ils se disent que c'est pour dédramatiser. Peut-être bon, ça fait que Joe, lui, va, voilà, tu vas passer à autre chose et tout ça. Entends-moi, devant eux, ils me jouent les durs. Mais quand je suis seul à la maison, franchement, ils étaient fans du bébé.
Il était fan du bébé. Moi, il voulait faire quelque chose de bon. Et puis, tu vois, quand vous êtes encore un peu jeune, adolescent, tu vois, 18 ans, puis vous durez ensemble jusqu'à... Et puis après, les deux familles se consolident. Et puis, moi, c'était les rêves comme ça, quoi. Et puis, mariage sort dedans, tu vois. Et puis, premier coup, quoi, pas Sugar Daddy. Ah, même si on dit, moi, j'étais dans mon petit cherchement des TNT, comment on commençait un peu. En ce moment, c'était la chorégraphie, on faisait plus. Et puis, on commençait maintenant à écrire les premières chansons et tout ça. Mais... un coucou, un vieux père, un tonton, tu vois mon bébé en train de l'embrasser comme ça. Chaque fois qu'il suis seul, l'image vient dans ma tête. L'image vient dans ma tête. Quand il suis face à mes gars, il me joue les durs. Ben non, moi c'est pas celui, non, il a pleuré devant eux, tout ça. Si eux ils étaient là même là, même Demi Goutte n'allait pas sortir. Mais comme il était seul et le taximètre, c'est pour cela que mes yeux sont devenus rouges, tout ça. Donc, tu es tout un témogo, tu es obligé de te jouer les durs, et puis quand tu es seul, tu sens que le gourmet en train de te travailler. Tu ne veux pas montrer à la go aussi que tu as mal. Tu veux renverser la situation. Devant tes gars aussi, tu veux te jouer les durs. Moi, c'est un conseil à vous donner, souvent exprimé. Parce que, à force de vouloir te jouer les durs, comme nous, on a tendance à penser que c'est pour les blancs, les histoires de dépression, les histoires de gourmet, c'est pour les blancs, c'est les blancs qui extériorisent et tout ça. Mais souvent, c'est bon d'extérioriser. Parce que moi, à vouloir me jouer les durs devant mes camarades, comme c'était un groupe d'attacheurs, j'en ai beaucoup souffert. Parce que quand j'étais seul, c'est moi seul et c'est ce qui passait dans mon esprit. Mais bon, comme j'étais un enfant un peu rigolo, un peu éducation, un peu affaire de Dieu, c'est ça qui m'a encadré un peu, ça qui m'a aidé un peu. Hein. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré un autre bébé. Elle a su enlever ça un peu dans mon esprit, me mettre en confiance. Il a su que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Non, maman, ton sujet n'est pas qui nous l'a. Moi-même, ça m'intéresse aussi. Voilà. Ce que maman a dit là, c'est un vrai point. Dans pas qui nous l'a, il y a trop de foutaise. Dans pas qui nous l'a, il y a les gens qui ont pris grossesse pour venir nous donner dans le foyer. Dans pas qui nous l'a, il y a des servantes qui ont déserté, qui ont volé, qui sont parties. Il y a d'autres, même, elles n'ont même pas volé, mais elles ont tout laissé. Elles sont parties. Des mois après, elles ne reviennent pas. Jusqu'à il y a une même au quartier, son patron l'a croisé deux mois après, dans la ville. Donc toi, tu as quitté chez moi. Il était bien pris, il était nourri, il a fait tout. Et puis, pac, tu as disparu. Et puis, deux mois après, il te voyait comment c'est venu. Le tonton est venu, il a expliqué ça au quartier, il a expliqué aux jeunes et tout ça. Ils ont fait l'association, ils ont parlé un peu à l'agence, là, ils ont parlé aussi aux autres servantes du quartier pour leur dire, voilà, ne faites pas comme ça, faites attention, faites ceci, faites cela, ça ne fait pas joli, ça ne fait pas ceci et tout. Parce que comme la sœur Laure l'a dit, si quelque chose se perd dans la maison, le monsieur déjà même il est en boule par rapport à ce que tu as fait, il peut tout mettre sur toi. Et puis, tu peux dire quoi là. Déjà même le tonton, il est posé. S'il veut te faire du mal, il peut te faire du mal là. Ben, il t'a croisé deux mois après dans la ville. Il peut te dire telle chose est peine chez moi. Quand tu as déserté, tu n'as pas dit fais pas qu'il nous, tu n'as pas dit fais ceci. Donc, quelque part là, essaye d'être un peu sérieuse aussi. Moi, je suis trop content de toi-même quand tu défends les hommes. C'est vrai que nous, des fois, on n'est pas bien aussi. Hein. Mais nous, c'est toujours nous, notre mauvais côté, nous, on voit. Attends, toi au moins dans ton émission, tu essaies de parler un peu, de montrer nos souffrances, de montrer qu'on est aussi des humains et que nous les hommes aussi, là, il y a quelque chose, on a un cœur, on a les sentiments et puis on a les choses, on vit. Si moi, je n'étais pas venu parler de mon mère, que vous allez savoir que moi, j'ai vécu ça là et que moi, à cause des femmes, quand je suis à la maison, dès que je suis seul, quand je suis plus les amis, il y a les images qui viennent dans ma tête. Si on ne t'explique pas, est-ce que tu peux savoir? Non, obligé de se jouer les durs devant tout le monde. Ça, c'est notre quotidien. Tu ne dois jamais montrer que tu es faible, tu ne dois jamais montrer qu'il y a un problème, tu ne dois jamais, mais non. Après tout ça, là, on est des humains. On a des sentiments. On est fait des chairs. Souvent, là, on veut toujours montrer à la go qu'on a le dessus, mais souvent, c'est nous-mêmes. On est fragile. Ou bien, on a des moments où on ne maîtrise pas la situation. Mais après, bon, ça passe. Et puis, bon, on arrive à revenir plus fort et puis à ne pas prendre le mal qu'on a vécu ici pour le jeter là-bas. Ça, c'est mon plus grand conseil. À partir du gourmet sucré que j'ai vécu, ne prenez pas ce que X vous a fait pour aller jeter sur Y. Les deux là ne sont pas la même chose. Peut-être c'est ton bonheur qui était venu là. Et puis à cause d'ici, tu es venu gâter ici. Et quand la roue tourne, deux fois là, ça ne revient plus, même chose. Et le bonheur que tu pourrais vivre ici là, tu ne peux plus le retrouver. Donc ne commettez pas cette erreur. Donnez le temps au temps, laissez vos gourmets passer et puis relancez-vous dans une nouvelle relation, mais avec l'esprit libéré. Vous allez voir que ça marche. Ou rentrer dans le foyer avec les grossesses. Parce que l'homme, il ne sait pas. Si toi-même, tu lui dis pas que, ah chérie, je suis en début, il ne va pas connaître. Mais tu vas être là, tu vas prendre grossesse de quelqu'un ici, ton propre maman dans la maison,
sa nourriture, tu ne t'occupes pas de ça. Ses affaires, ses chaussettes, sont, ça sent dans la maison. Tu ne nettoies ton rôle de femme là. Quand on parle des droits des femmes, droits des femmes, c'est de mettre le ménage dans la maison. C'est pourquoi on cause, pourquoi on sache au moins ce qu'on va devenir demain, nos enfants. On prépare la venue de nos enfants. Nous, nous sommes venus en mission, on est venus les accompagner. Demain, on va partir. Mais l'homme fait un, tu fais ici. Tu veux changer sa vie, c'est pas elle la force. Tu vas doucement, chérie. Comme tu filmes un peu, il faut diminuer. Chérie, on n'a qu'à faire ça. Quand tu parles doucement à une personne, même ton propre enfant, tu ne sais pas le parler, il va demander, il va aller chez le voisin. C'est comme l'argent. Quand tu ne sais pas, tu maltraites l'argent. L'argent déménage, l'argent c'est un étranger, tu ne sais pas le recevoir, il s'en va. Il y a des gens qui sont, ils versent l'argent à terre. L'argent ne verse pas à terre. Il faut mettre dans la paume de ton ami. Dieu va bénir sa mère. Ah lui là, il entend de travailler. Il entend de travailler sur quoi? Donc aujourd'hui, ton gourmet qui t'a fatigué, il faut que tu en parles aussi pour que tes amis aussi comme toi, ils vont écouter que il ne faut pas trop mettre le cœur d'une, ton cœur sur une femme. Sinon, un matin, tu vas avoir une crise cardiaque, hein? Tu vas avoir crise cardiaque. Ce que tu as vu vis-à-vis ainsi avec vos portables que vous filmez là, tu vas avoir crise cardiaque. Ça, en tout cas, le premier truc que je retiens pour lequel il dit merci beaucoup à la sœur Laure, c'est que déjà quand tu attrapes quelqu'un, au moins même si tu vas te maîtriser, que tu ne vas pas faire palabre et tout ça, il faut que la personne sache que tu l'as attrapé. C'est ça. Ça, c'est le premier truc que je retiens. Maintenant, après, tu peux garder ton calme, mais au moins... S'il m'était approché ou bien si après j'étais passé par derrière pour lui dire coucou, salut, ah, mais je t'ai vu tout à l'heure en bas, tu étais avec... Prochainement, tu attrapes une personne, tu t'approches, pas de tapage. Bonsoir chérie, bonsoir monsieur, et puis tu quittes. Tu dis même pas chérie pour ne pas frustrer l'autre. Mm-hmm. Bonsoir monsieur, dame, et puis tu quittes. Ouais, ça là, c'est plus que tout. Non. Mais tu allais crier, t'assois quelque part, parce que le cœur là, quand le sang jaillit dessus, c'est tu vas bon. Tomber dans ce pas. Souvent on dit qu'ils sont restés dans le sommeil. Hein? C'est l'amour, quand c'est trop dépassé, ah non, moi je ne comprends pas, quand ça te dépasse trop, tu as oublié de penser à tout. Passer les semaines tu es passé à tout. Là, ça m'a fatigué. Tu as oublié de passer à tout. Donc il faut prochainement, aujourd'hui là, elle, tu vas beau faire, elle ne va jamais reconnaître. Ça c'est vrai. Parce que tu ne l'as pas vu. J'ai elle m'a dit, ce n'est pas moi. Mm-hmm. Quand tu vois une personne qui ment trop, c'est une sorcière. Parce que ma mère dit qu'il faut apprendre à faire la sorcière, il faut apprendre à mentir pour être sorcier. Le sorcier, mais on dit il l'a tué, il va dire c'est pas moi. Il faut mettre le fer dans ses yeux, il va dire c'est pas moi. On dit si tu sais nier là, tu peux pratiquer la sorcellerie. Ouais. Donc si tu avais surpris que tu disais ah, je t'ai vu chérie, pourquoi tu peux me faire ça? Tu vas voir qu'elle sera la femme la plus respectueuse. Parce que c'est que tu l'as vraiment vu. Mais tu as dit tu étais assis seul, tu pleures, tes yeux sont rouges. Donc réellement, je ne vous l'ai jamais dit de ne pas aimer les femmes. Mais les femmes là, c'est pour ça que les hommes qui restent avec les femmes jusqu'à 10 ans, 9 ans, 20 ans, ils ne font pas coco. Parce qu'ils voient que ce n'est pas encore ça. Lui, il a déplié, il ne veut pas me marier. Mais il faut changer. Donne-lui l'envie de te marier. Donne-lui l'envie. C'est pas ta beauté. La beauté ne se marie pas. C'est le cœur. Le savoir-vivre avec un homme là. Même il y a des hommes, ils sont en France et puis ils viennent derrière Nana. En Côte d'Ivoire ici. Il la marie ici pour partir. C'est pas parce que tu viens en France un mois et puis forcément il va te marier. Il y a des femmes, on le regarde jusqu'à dit, le monsieur là, jeune garçon, qu'est-ce qu'il va faire ça là? C'est pas ça. Lui, c'est l'accueil. La paix dans sa maison. La paix. Tu peux avoir un mari sous l'homme, il est là, il boit partout. Mais en le parlant un peu, un matin, il dit, ah, moi, quand je bois, même ma femme n'est pas contente. Mes amis, bon, on va attendre un peu. Et puis ça quitte. C'est pas sur le champ, il va laisser la boisson. Tu vas dans, on dit, les marqués aujourd'hui, là, les gens veillent là-bas. La bière devant lui vient le vin là, hein. Mais il pense, je dois rentrer encore, on va faire tapage, je vais rentrer encore, c'est pas bien. Même les propres enfants, ils ont remarqué, quand papa n'est pas là, ils sont gênés. Parce qu'il arrive, papa ça va, papa tu as duré dehors, il ne peut pas dire à ses enfants, voilà ce qui se passe. Tu es dû au salon, tu es dû aussi dans la chambre. Mais c'est pas bien. Est-ce que tu vois? Donc à partir d'aujourd'hui, en tant qu'un artiste, tu as encore beaucoup de l'avenir. Tes amis, vous êtes dans un groupe, les Alpha Folles, ils ont commencé en bas, mais aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. C'est pas pour une femme, tu vois, t'es pas travaillé quelqu'un. Quand ça t'arrange pas, tu laisses. Est-ce que tu vois? Quand ça t'arrange pas, tu laisses. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui disent que non, comme c'est là, elle va changer. Femme ne change pas facilement. Elle est née avec ça, elle ne change pas. Tu vas beau lui faire, femme ne peut pas changer. Il faut faire tout à la femme. Tu vas voir les gens qui sortent avec elle, mais toi-même, tu es découragé. La femme, elle est maso. Elle adore où elle souffre. Elles n'ont pas le beurre. Il faut envoyer dans un coin où on vend placari avec Kourou là. Madame est là-bas. Mais tu dis, mon matin, allons, tu vas payer un peu de chavama, je vais te mettre à l'aise là. Elle pense à un bambou. Elle, c'est son bon cuillerie qui l'intéresse. Elle est dans
en bois, en direct, je ne sais quoi. Donc vraiment, je vous ai vu en direct, même moi, la soeur, j'étais très contente d'être avec vous ici ce soir. Plaisir partagé. En tout cas, vraiment, pour tous ceux qui nous regardent, vraiment, c'est pas gourmet. Moi, mais quand j'ai entendu gourmet sucré, je me suis dit, comment le sucre là va rentrer dans le gourmet? Parce que le gourmet amer, maman. Non, il n'est pas amer. Tu sais, regarde moi comme ça, moi, mon cas là. Quand c'est fini, quand ça s'est passé, les temps qui ont suivi, tu es jeune. Bon, pour la première fois, tu es te concentré sur une femme pour dire que bon, j'ai connaître maintenant, c'est quoi, on est en couple, comment c'est bien et tout. Parce que moi, j'ai pas eu la chance, moi, j'ai pas goûté. Il n'est pas, elle là, c'est moi, elle n'a pas, on a rien fait. Donc, ah non, après, non, il y a non, les non, regrets. On ne parle pas comme ça ici. Hein. C'est on n'a rien fait, c'est-à-dire pour rien, quand tu vois une femme, tu tombes en gourmet. Non, il y a eu les regrets, parce que après, on s'est, tu t'es dit, non, allez, écoutez, donc, j'ai dit, le vieux gourmet pas pris ça de ma main hein. Comme ça. C'est pas un point où on va au gabarit pour lui donner moi un poisson de 250. J'ai dit, moi, je n'ai pas voir une personne, puis moi, mon gourmet. Pourquoi? Tant que tu n'as pas appuyé la seule loge, tu n'as pas levé mon koyo, le vent t'a pas tapé là. Tu me connais où? Mais tu n'as rien fait. Puis toi, ton gourmet va s'élever, mon petit. Il était trop amoureux. Il était trop amoureux. Ah, donc, un peu, il est touché là même déjà. Là. Tu as touché où? Déjà... C'est sain. Oui, les petits trucs comme ça là. C'est donc, tu n'es pas rentré? Non. Non, toi, tu es un gourmet en détail. Ça, c'est un gourmet en détail. Ça, c'est un gourmet qui n'est pas complet. C'était le lycée. Non, était non, petit, non. C'est que toi-même, tu as connu femme à quel âge? Oh, bien après, maman, tu sais, nous, c'est beaucoup éducation chrétienne, hein, donc nous, là... Faut laisser chrétien, a... c'est vous, mais c'est vous qui couillez, mais c'est pas nous qui sommes partis, les gens. Non, je sais que... Nous, les vrais couillementés, là, c'est les chrétiens, ils aiment ça. Non, je sais que... Pour attraper même un chrétien, tu le couilles bien, il va parler de Satan devant toi-même. C'est pas ça, vous couillez pas, vous parlez de chrétien. Ça veut dire que vous avez des grosses robes, on a besoin de queues, vous êtes à vous balancer un sac. Chrétien. Ah, mais c'est parce que c'est des choses... On a vu ça plus tard, mais c'est vrai que c'est beaucoup éducatif, c'est voilà. Beaucoup... Non, ça, toi, comme tu es né d'une mère, tu as des soeurs, tu voulais te comporter parce que tu as besoin d'une personne. Mais si tu as vu en elle, parce qu'elle déjà, je voulais voir qu'elle n'était pas dans le monde de Dieu que toi, donc elle était dans un autre monde. Avec toi, au moins, elle allait un peu changer. Parce que le fait même qu'une femme, déjà, tu laisses ton corps attrapé par un homme, moi, déjà, tu m'as vu. Dieu a fait aujourd'hui, tu as avancé. Je sais qu'elle est toujours là. Mais elle va s'asseoir elle-même. Parce qu'elle se dit que toi, tu ne l'as jamais vu. Tu vas beau faire dire, tu ne m'as pas vu. Et c'est les mêmes, ils vont te dire la même chose. Est-ce que tu l'as attrapé? Tu as dit, je les ai vus. On dit, non, mais ce n'est pas vrai. Il faut t'approcher. Tu trouves quelque chose, tu t'approches et puis tu parles. C'est ça là qui était mon erreur. Même. Ah. C'est ça même qui a été mon erreur. Parce que déjà, tu as commencé à être artiste. Sur scène là, il y a des moments même, tu vas aller chanter, tu vas te tromper des paroles parce que son affaire va venir dans ton corps. C'est pas fou. Ah, non, donc vraiment, je suis très contente que tu sois sur mon antenne. Oui. Parce qu'avec le gourmet secret, tous les vendredis 22h, soyez toujours branchés. Parce qu'avec ça, ce qu'on ne peut pas expliquer, la seule explique. Franchement. Donc vraiment, bonsoir. Et je profite pour dire bonsoir à mon ami, comment il s'appelle ça, Tao. Et sans oublier Florence du côté de Le Coguro, qui sont mes meilleurs amis. Parce que dans ces temps-ci, moi, j'ai eu un gourmet, mais pas un gourmet d'amour, un gourmet d'enfant qui m'a vraiment soulevé un peu le cœur. Bon, je le pardonne parce que dans la vie, c'est la mère seulement qui peut pardonner son enfant. Une mère qui ne pardonne pas, c'est que tu pratiques la sorcellerie. Je préfère que l'enfant fasse pire à la maison, qu'il fait dehors, que vous, les parents qui n'ont pas les moyens, qui nous fait souffrir. Mais sincèrement, je n'étais pas en moi-même. C'était mon gourmet dans ces temps-ci, donc ça m'avait un peu fatigué. Yeah, vraiment, ça m'avait un peu fatigué. Mais c'est pour dire que les jeunes, comprenez-nous, et les filles là aussi n'ont qu'à apprendre à vous respecter. Ça, ici, t'as quoi ? Les filles n'ont qu'à apprendre à vous respecter. Si toi seul, tu peux gérer deux morts, il faut quitter dans la vie des enfants. Pour pas, ils vont te suivre et puis ils vont se créer des problèmes. Il y a des gens, on dit souvent, quand on ouvre la chambre, ils sont déjà morts, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué, qu'est-ce qu'il a vu, est-ce que tu as vu ? Ils ne savent pas ce qu'il a vu. Donc, aujourd'hui, les vieux qui sont venus me disent, ah, ils disent, moi, je m'appelle M. Kwadio. L'autre dit, ici, je m'appelle M. Tan, je suis chef de Tan. Vraiment, nos femmes là, on nous fatigue trop. Nos femmes là, les pakinous là, parlez un peu, parce qu'on est fatigué. Hein? Souvent, mais tu te fâches, l'amour de ta femme, tu prends le camion jusqu'à aller la suivre au village. Tu t'en vas, dit non, elle n'est pas encore arrivée ici. Elle n'est pas encore arrivée chez nous ici, c'est pas bien. Puis vous n'êtes pas des enfants. Quand on vit dans un foyer, on doit rester tranquille. C'était l'émission de ce soir. Bonsoir.